Une chose qui est facile à faire et qu'on peut apprendre à faire tout doucement, c'est à se dissocier. Et comment peut-on faire ça? Eh bien, par exemple, je suis Philippe qui voit Philippe dans sa situation. Par exemple, je suis dans une situation, mettons, de colère potentielle par rapport à mon enfant. Je vais prendre de la distance. Je vais observer la scène. Je vais devenir le Philippe qui voit Philippe dans cette scène. Et si c'est encore émotionnel, je vais peut-être être Philippe qui voit Philippe dans la scène. D'accord ? Et c'est une façon de se dissocier. Quand on devient observateur, on n'est plus dans l'émotion, puisqu'on n'est plus associé à l'émotion. C'est ça la dissociation. C'est un exercice qu'on fait simplement, et juste quand ça vous prend, mais peut-être de tenter l'exercice le jour où vous en rappelez, de prendre cette distance. Ok, je suis la maman qui est face à ce comportement qui ne me plaît pas de mon enfant, et je m'observe. Et là, je peux commencer à avoir des pensées peut-être plus rationnelles. Ce n'est qu'un enfant. Il a un comportement. Je n'aime pas ce comportement, mais c'est bien mon goût à moi. C'est mon jugement. D'accord ? Je juge peut-être que ce n'est pas la bonne chose à avoir demain dans la société. Mais je comprends peut-être aussi en tant qu'adulte que ce comportement, il a peut-être une raison d'être. Et en tant qu'adulte, parce que je suis dissocié, je ne suis plus dans l'émotion, alors je peux faire un travail rationnel et je peux commencer à poser des questions. D'où vient ce comportement? Si j'ai un jeune enfant, l'enfant il n'a pas inventé ce comportement. Il est allé le chercher quelque part. Où est-il allé chercher ça? À la maison? À l'école, chez un camarade. Pourquoi as-tu ce comportement? Qu'est-ce que tu cherches à me dire à travers ce comportement? Et donc, je peux commencer à rentrer dans un dialogue avec lui parce que je suis sorti de l'émotion. Donc, vraiment, le truc, c'est ça, je suis Philippe, je suis Philippe qui observe Philippe dans la scène. C'est comme si je sortais de mon corps, si je peux m'exprimer ainsi, hein, virtuellement, et que je devenais observateur de ce qui se passe. Et là, tout de suite, ça peut m'apaiser. L'autre chose que vous pouvez commencer à faire en vous entraînant est de demander l'assistance de votre conjoint, de vos amis. Apprenons, au lieu de dire tu, à dire je. Si Ahmed, je n'aime pas ce comportement. Et ça, c'est juste de le dire. Vous n'aimez pas ce comportement. Et l'enfant arrive à faire ça. Qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui m'appartient à moi? Vous savez, on peut, par exemple, à l'adolescence, on peut avoir ce chantage émotionnel. Hein. Par exemple, la maman qui veut imposer certaines études à son enfant, parce que, à son adolescent, parce que tu seras ingénieur, mon fils, comme ton cousin. Mais maman, moi, je ne veux pas être ingénieur, je veux être psychologue. Non, psychologue, t'es fou, après. Maman, tu seras ingénieur. Mais maman, je ne veux pas être ingénieur, je vais être psychologue. Ah ouais, tu seras ingénieur, mon fils. Non, maman, je ne veux pas être ingénieur, je vais être psychologue. Et moi, quoi, tu veux faire mourir ta mère ou quoi? Chantage émotionnel classique. Maman, en quoi est-ce important pour toi que je sois ingénieur? Sous-entendu, j'entends ton désir, et en même temps, mon désir à moi est différent. D'accord? C'est la puissance de parler à la jeune personne ou à la nouvelle personne. Et ça, c'est une chose à laquelle on peut s'entraîner. La seule chose que ça va nous obliger de faire, et ça va être une aventure extraordinaire, c'est que ça va nous reconnecter à nos émotions et ça va nous reconnecter à nos responsabilités. En fait, on doit reprendre la responsabilité de deux choses. On doit reprendre la pleine et entière responsabilité de nos émotions. Et on doit reprendre la pleine et entière responsabilité de nos opinions. Par exemple, mettons que monsieur, dans un accès de démence, imaginons, me traite d'imbécile et que moi je commence à pleurer. Je ne peux pas dire il m'a fait pleurer. Non. Il a fait ce qu'il a voulu faire pour les raisons qui lui appartiennent. À la rigueur, il sera jugé pour ça. Et j'ai choisi de pleurer. L'émotion, elle m'appartient. Je dois me réapproprier cela. Si je ne suis pas content du comportement de mon enfant, la partie « pas être content », ça m'appartient. Je dois me réapproprier cela.
Alors la vie d'aujourd'hui, vous avez peut-être la perception, comme beaucoup d'entre nous peut-être, ont la perception que la vie est compliquée, difficile et stressante. En même temps, c'est notre opinion, c'est notre perception. On peut avoir une perception différente. D'ailleurs, c'est simple. Si on demandait à chacun d'entre vous, comment avez-vous trouvé cette conférence, ou comment trouvez-vous, monsieur Beaujean, on aurait peut-être autant d'opinions qu'il y a de personnes. Et pourtant, c'est la même conférence, c'est le même traité, ce sont les mêmes choses qui ont été dites.